Le livre des animaux. Paul se blottit contre sa nounou et sanglote. Le dragon rouge s'est envolé du livre magique. C'est moi qui l'ai laissé échapper. Sa nounou comprend et court vite avertir le premier ministre et le garde des Sceaux. Ils mobilisent l'armée. Les soldats restent sur le qui-vive jusqu'au soir, puis ils vont dîner. Mais le dragon aussi a faim. Et pour son repas, il dévore une équipe de football tout entière. Le lundi, le dragon mange la chambre des députés et le premier ministre, mais pas le garde des Sceaux, qui est malade. La révolte gronde dans la ville. Les gens sont furieux contre leur roi. Paul est de plus en plus désespéré. Il demande conseil au garde des Sceaux qui déclare « Seule une chimère peut venir à bout d'un dragon, majesté. » Alors, Paul cherche le mot « chimère » dans la table des matières du livre des animaux et l'ouvre à la page indiquée. C'est une drôle de bête. « Va tuer le dragon !» lui ordonne Paul. Mais la chimère n'a pas du tout envie de se battre contre un dragon. Elle se réfugie dans les écuries royales. Mais le dragon la découvre et l'avale en deux bouchées. Je suis le roi. Il faut absolument que je trouve un moyen de protéger mes sujets, se dit Paul. Il s'enferme dans la bibliothèque pour lire tous les livres sur les dragons. Et il apprend ceci. Que les dragons peuvent brûler au soleil de midi. Paul prend le livre des animaux. Il lui faut un cheval. Il cherche le mot Pégase et ouvre le livre. Alors, un splendide cheval ailé en sort et Paul l'enfourche aussitôt. Il survole les collines et les forêts à la recherche du dragon. Bientôt, ils aperçoivent une fumée grise qui sort d'un arbre. « Oh, c'est peut-être le dragon !» s'écrie Paul. Il a raison. Le dragon dort sous un arbre. Quand le dragon se réveille, il pousse un formidable rugissement et se précipite vers Paul. « Porte-moi dans le désert !» crie Paul. Le cheval ailé franchit les montagnes, les vallées et les fleuves, tandis que le dragon court derrière eux. Ils arrivent enfin dans le désert. Le soleil brille très fort. Il n'y a pas un seul coin d'ombre. Paul descend du cheval ailé, ouvre le livre des animaux à la page où est dessiné un palmier, celle où était le dragon, pose le livre ouvert par terre et monte à nouveau sur le cheval. Catastrophe! Il glisse et tombe au moment même où le dragon arrive. Le dragon a très chaud. Il crache d'énormes nuages de fumée. Le cheval ailé se met à voler autour de lui en agitant ses ailes comme des éventails. Aveuglé par les volutes de fumée, le dragon ne voit pas Paul. Le dragon pousse un cri de rage, puis il cherche désespérément un endroit ombragé. Quand il aperçoit le palmier, il saute sur le livre et se blottit dans l'image qu'il n'aurait jamais dû quitter. Hurrah ! Nous avons gagné, mon brave Pégase ! S'écrie Paul. Alors, une clameur retentit. Il y a là l'équipe de football, la chambre des députés, le premier ministre et la chimère. Le dragon n'a pas pu les emporter avec lui dans le livre. Le cheval ailé doit faire de nombreux voyages pour les ramener tous. Mais ils sont si contents d'être débarrassés du dragon qu'ils attendent patiemment. Pour passer le temps, ils se racontent inlassablement comment leur nouveau roi a terrassé le dragon, avec l'aide du cheval ailé, bien entendu.